Paris Saint-Germain est enfin dans les starting blocks. La phase de préparation est terminée. On a peaufiné les réglages, on a étudié l'adversaire, on a fait de très longues séances de vidéos. Et maintenant, l'heure est enfin venue de lancer cette nouvelle saison européenne dans la plus prestigieuse des compétitions. Avec évidemment l'envie, l'espoir, le rêve de remporter le trophée au bout. Et vu l'ambiance qui règne ici, on peut vous assurer qu'ils n'auront aucun mal à se mettre dans le bain. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. On y est, les derniers instants avant le début de cette phase de groupe. C'est bien parce que j'ai l'impression que la tension monte chez les joueurs. Ils doivent avoir envie de toucher leur premier ballon et d'entrer complètement dans ce match. Et le match est donc lancé. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Je pense que Thiago Silva peut jouer un grand rôle dans cette rencontre. On dit souvent de lui que c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, et c'est bien mérité à mon avis. Ses interventions sont toujours propres, puis quel sang-froid. Il sera très difficile à battre, comme toujours. Oui, c'est bien possible. Il est une base indispensable à son équipe. Marcos Alonso. Kanté. C'était difficile comme geste. Neymar. Il est passé. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Marquinhos. Le Paris Saint-Germain qui essaye de construire. Oh, quelle frappe! Bien repoussé par le gardien. Oui, il était bien concentré. Bravo. Azpilicueta. Vous avez remarqué quand les latéraux montent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. Neymar! Oh, c'est un arrêt important, ça! Ah oui, ils sont déçus. Ils pensaient bien que ça allait au fond. Marco Verratti, qui a de la liberté. Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! Il a été très réactif sur ce coup et s'est procuré une bonne occasion après avoir chippé ce ballon. Avec Verratti. La frappe! Aucun danger pour le gardien. Mais c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très très compliqué. Azpilicueta. Ça part de l'autre côté. Tunnel jusqu'à l'autre. C'est joué long. Peut-être une occasion pour Pedro. Giroud. Mbappé. Il allonge le jeu. Oh, c'est bien fait. Il y a peut-être un coup à jouer. Il va provoquer. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Kanté, bon service dans la profondeur. Neymar. Idrissa Gueye. Le bon dribble. C'est Bernat qui centre. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Sur la gauche. Il cherche un coéquipier. Oui, encore une occasion manquée. Ils étaient quatre devant le but. Et malheureusement, ça ne donne rien. Oh, quel geste! Énorme occasion! Un peu d'air.
Idrissa Gueye. Neymar. Et le tableau d'affichage est toujours figé. 0-0. Neymar. Attention. Jusqu'au bout. Oh, but. But pour le Paris Saint-Germain. Oh, c'était jamais facile les face-à-face avec le gardien, mais il est resté lucide. C'est super bien joué ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. Christensen. Quel fait du bien cette ouverture du score juste avant la pause. Il mène donc 1-0. Marco Verratti. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Dites-moi, on peut retenir quoi de ces 45 premières minutes? C'est presque dommage de mener seulement 1-0 quand on a eu autant d'occasions. Ils ont clairement dominé dans ce domaine. Espérons un peu plus de réalisme en second mi-temps. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Avec Verratti. Quelle séquence de passes, collectivement c'est parfait. Azpilicueta. Rudiger. Marcos Alonso. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il est passé. C'est bien ce qu'il fait là. Oh, c'était dangereux, quel geste! Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Voici Giroud. Azpilicueta. Barclay. Azpilicueta. Il décide d'allonger le jeu. Avec Marcos Alonso. Une petite faute là. Voici Giroud. Giroud qui choisit de jouer en retrait. Oui, c'est bien défendu. Bernat. Dans la profondeur. La bonne interception. Le long dégagement du gardien. Et c'est récupéré encore une fois. Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Oui, c'est pas étonnant vu le nombre de tirs qu'il compte déjà. Pas étonnant, mais peut-être un peu tardif. Premier corner dans cette rencontre. Le bon dégagement. Les gestes mal maîtrisés, logique cette sanction, carton jaune. Marquinhos. Di Maria. Il tire. À côté. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Rudiger.
Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Il y a toujours 1-0 seulement. Le temps joue pour eux. La passe dans la profondeur. La grosse intervention. C'est dégagé. Il s'est attaqué, ça on savait, mais il sait aussi défendre. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Beaucoup de déchets techniques dans les passes aujourd'hui. Marquinhos. Il va au duel. Idrissa Gueye. L'ouverture sur le côté. Neymar. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Et c'est intercepté. Kovacic. Neymar. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Di Maria. Oui, il peut frapper là. Difficile. Un autre tir. Et le cadre se dérobe largement. Un maximum de réussite pour arrêter de ce ballon. Malheureusement pour lui, il a manqué de sang-froid. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Peut-être une occasion pour Pedro. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ce sera une remise en jeu. Avec Marcos Alonso. Peut-être passe en profondeur pour Kanté. Le ballon sort du terrain. C'est vraiment dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. Il est bien placé. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Kanté. Ça peut être extrêmement dangereux. Mbappé. Ça joue long. Oh, attention. La frappe, attention! C'est repoussé! Allez, plus que quelques instants à tenir. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Et c'est exactement le genre de départ dont il pouvait rêver. Ça les met en position idéal pour le reste de la compétition. Alors dites-moi, dites-nous d'arrêter.